sur la ville de Carcassonne pour 14 km 3301, opérateur Rémi, actuellement en mobile sur le département de la Charente-Maritime à Marennes-Oléron. Re-73, fallait 73 retourner, comme quoi tu vois, il faut que je m'éloigne pour qu'on arrive à s'entendre. Ah, j'ai trois coups, puisque depuis la Gironde, là, ça passait pas jusqu'à maintenant. Donc là, je suis sur la route, là, entre la ville de Marennes et la petite ville de Bourse, de Saint-Just-Lussac. De Saint-Just. Voilà, je suis en train, là, je suis sur le chemin du retour et je démarre juste de Marennes. Plaisir. D'ailleurs, si tu le permets, là, je suis en train de... j'ai un petit peu de bruit. Il fait chaud dans le véhicule. Je suis en train de faire une petite vidéo, là. Comme ça, là, tu pourras que je travaillerai, là, une fois rendu au QRA ou demain. Je vais voir ça, là, suivant le temps, suivant ce que ça donne. Et là, tu pourras voir comment ça passe de mon côté. Là, c'est tout simplement magique. Hachi. Alors, de mon côté, ben, les conditions de trafic, ben, c'est toujours les mêmes au niveau du Bush. C'est-à-dire le président Lincoln 2, micro d'origine, la boîte de mirror qui est derrière, Hachi 3 coups, et au niveau de l'antenne, ben, la Wilson 5000. Ok, oui, puisque tu parles justement de micro préampli là sur le Lincoln 2+, c'est vrai que ce poste au niveau branchement micro, il est assez compliqué, hein, quand même. Pas dans le sens comment le brocher, dans le sens lui faire avaler que c'est le micro d'origine, il y a les touches UBDO, et dès qu'on branche un autre micro à la place, un micro préampli à la place, eh bien ça a tendance à cafouiller. Pour ma part, j'en ai passé plusieurs là que j'ai au QRA, et à chaque fois quand j'appuyais, je relâchais le micro, je me retrouvais sur le canal d'à côté. Ah oui, évidemment, quand on regarde le brochage de ce micro, on s'aperçoit que les fonctions de UBDO passent par le fil PTT. C'est du grand n'importe quoi. Hachi 3 coups. Il y a 6 broches. Il a fallu qu'il trouve le moyen d'utiliser le fil PTT pour faire passer les fonctions UBDO. D'autres marques auraient utilisé les autres broches pour faire ça, mais non, eux, ils ont voulu faire comme ça. Hachi 3 coups, retour. Tu vois, Rémi, moi, c'est pour ça que j'ai changé mon micro d'origine. Hein, parce qu'avant, j'avais le micro d'origine et justement, quand j'appuie sur la pour parler, et ben, ça m'a changé les canaux tout seul, Tu rentres ma souris, j'étais en cuisson. Quand j'appuie sur la touche PTT, ça me change les canaux, alors du coup, ben, j'ai changé le micro d'origine. À cause de ça, hein, depuis, avec le micro ZTGM93, ben, ça ne me fait plus. Voilà, Rémi, retour. Ok, mais oui, je me souviens de cette histoire-là, j'avais vu ça, je sais plus si c'est sur le forum ou sur le groupe Facebook.
Je me souviens plus où j'ai vu ça, mais oui, je me souviens à ça. Je me suis dit, putain, mais c'est le monde à l'envers. Pour la plupart des gens, c'est l'inverse. Ça marche bien avec le micro d'origine au niveau des fonctions hypno et ça foire après quand on branche un micro préampli. Toi, c'est l'inverse. Oui, je me souviens très bien de cette histoire. Bah moi, tu vois, ça fait le contraire. Hein. Moi, quand j'ai le micro d'origine, ça me change le canot, comme toi, quand tu mets le micro préamplifié. Et par contre, moi, quand je mets mon micro préamplifié, ça me fait plus. Il y a du fait esprit quelque part. Hein. C'est. Là, oui, il y a du fait esprit quelque part. Hein. Et je suis quand même étonné là, de t'entendre. Parce que là, c'est vrai que là, ton côté, en général, j'ai un petit peu de mal à le sortir. Pas de là où je suis à la minute même, c'est-à-dire en Charente-Maritime. Mais quand je suis sur la Gironde, dans les environs de Saint-Émilion, enfin bon, bref, au QRA, c'est vrai que de ce côté-là, ton côté a du mal à passer. Quoi. Alors que là, ici, paf, d'un seul coup, c'est magique. Et tu vois, là, juste avant là, que je commence à entendre des stations françaises, oh, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être juste une... Alors, je suis en fréquence, j'ai le poste allumé depuis 5 minutes avant que je t'attrape en fréquence. Bon, j'entendais que l'Espagne, ces coins-là passaient. Puis, une minute avant de démarrer la vidéo, et puis t'entends lancer l'appel, les départements français qui commencent à passer. Oh, je me suis là, c'est bon, allez, en avant. Oui, département 56, tu peux juste 30 secondes, je te reprends après, le département 56. Je te prends juste après le département 56, ok? Vas-y, fais-le rentrer! Oui, le département 56, et bah allez-y, je vous laisse le micro, le département 56. En plus là je vais avoir pas mal de poussière là qui va nous arriver sur le bouche. Voilà, non, rien, même pas un son, rien. La propague est vraiment tournée de ton côté. Département 56, trop près, je suis sur le département 17, là, tu vois, là. Donc, pour voir large, entre l'île d'Oléron et Sainte. Voilà, pour voir très large. Je suis de ce côté-ci, là, en ce moment, là, sur la route. Donc, non, je suis quand même assez loin, mais le couloir de Propag qu'il y a aujourd'hui est vraiment orienté, là, de ton côté, pour ma part. Affirmatif, hein, je te dis, Rémi, juste avant toi, là, c'était la prévue, une des rares fois que le département de la Gironde, hein, j'ai fait l'opérateur Dominique, là, et quand il m'a dit la Gironde, j'étais moi-même étonné, parce que généralement, Carcassonne à la Gironde, ça passe pas souvent. Hein. Oui. Ben oui, non, mais c'est vrai que moi, Carcassonne, je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu personne de ce côté-là, quoi. Ah ouais, bah tu vois la propagande est tournée Carcassonne, tout ce qui est côté de l'ouest de la France, hein, parce que la Bretagne passe bien aussi. Hein, et bien si on veut passer avec eux du côté de l'Ontario sur la Bretagne, qui se présente ça, hein, parce que c'est un indicatif, c'est son prénom de l'Ontario. Alors allez-y, la section de la Bretagne, je vous lâche le micro.
Alors, hors micro comme ça, là, on vient de rentrer dans le village de Duga. Pour ma part, là, je te reprends d'ici quelques instants. Pour Rémi, de retour. C'était le temps de traverser le village du gars qui était pas mal saturé de QRM, puis en plus de ça, bon, coincé entre les bâtiments. Du coup, j'arrivais plus à te sortir. Voilà, là je suis de retour. Donc là, je viens de sortir du petit village le gars et je suis en direction de Sojo. Voilà, par les petites routes de campagne. Voilà, le gars Sojo. Je n'entends que toi, tu es le seul que j'entends. Et là, là c'est vraiment super, là, parce que là toi, là, pour le coup, là, aujourd'hui, c'est toi la star. C'est génial, c'est super, c'est génial.
Plus sérieusement, justement, je regardais un petit peu là tout à l'heure. Ah, je viens de croiser un bouche avec une antenne. Je regardais un petit peu là, sur internet, j'avais vu que du côté d'activité solaire, là ça avait l'air pas mal. Et effectivement, là ça se confirme. Là c'est super, c'est génial. Mais autrement, non, tu es le seul que j'entends là. Hein. Je suis en train d'arriver dans le village de Saujon. Alors je vais à nouveau passer en QRX parce que là je vais être en plein dans les QRM. Donc là je repasse en QRX là comme tout à l'heure et je te reprends là dès la sortie du village. Parce que là durant tout le temps là je sais que là c'est pas la peine. Je vais avoir des QRM de partout, donc je reviens là le temps de traverser le village. Je t'ai à peine entendu là, je te reprends, je t'en fais signe dès que je traverse entièrement la petite ville de Saujon. Hein. Voilà, pour Rémi, de retour. De toute façon, 14 km, 11, je sais plus. La ville de Carcassonne pour 14 km, 3301, Rémi qui te lance appel. On dirait que la propague a baissé là de ce côté-là. Ouais, on dirait que c'est parti de l'autre côté. Enfin, que c'est parti ailleurs, je veux dire. Parce que là, je t'entends, je sais pas si c'est toi qui as répondu. Si c'est le cas, c'était très très QRP là. Bon, bah en tout cas, de mon côté, ça passe plus. Si tu m'entends derrière ou si tu as l'occasion de regarder la vidéo, les bots se sentent très à toi. Merci pour le contact. Là, ça a été vraiment super QRO, super sympa. Et bon QSO de ton côté, bon DX. À la prochaine. CQDX, appel de 14 km, 3301 Rémi, qui propose un QSY sur le 27 565, 27 565. CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile sur les routes de Charente-Maritime. Oui, le département 13, les 73-51, vous, de la part de 14 km, 3301, normalement de la Gironde, mais actuellement sur les petites routes du département 17.
0301, opérateur Rémi, Roméo, Echo, Mike, Yankee, QRZ local sur la Gironde, Dandy 33. Affirmatif, 100% Roger, 100% QSL. Ok, signal 2-2, radio 4, ben, c'est un petit peu normal, parce que là je suis en train de rouler, voilà, je suis en mobile, et je passe en même temps au milieu des bois et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Juste avant ça, j'ai eu un OM du côté de Carcassonne. Voilà, bon, la propague a tourné un petit peu, là, ce coup-ci vers vous. Et vous, par contre, vous m'arrivez super bien, une bonne radio de 4-5. Le signal, ça m'est un petit peu difficile à le voir, vu que je suis en train de rouler. J'étais complètement perdu, j'ai réussi à entendre difficilement jusqu'à la fin. Les 73 eaux tournées, merci pour ce petit contact, bon TX à vous, merci, bye. Sur les stations fréquences pour Dindé 33 qui lance appel en mobile depuis la Charente-Maritime, département 17. Attention les stations fréquences pour Dindé 33 qui lance appel en mobile depuis la Charente-Maritime, le département 17. J'arrive trop tard de ce côté-ci. CQ, appel de 14 km, 3301, qui lance appel sur la fréquence moniteur km en mobile depuis le sud-ouest de France, département 17. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département 17. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département 17. Ok, super, allez, décalé encore un sur le. Ah, mais bon, sur le coup, on trouve un coup, il y a
c'est que les X appellent de 14 km 33 01 opérateur ami qui lance appel en mobile depuis le département 17 de Sud-Ouest de France. Il m'a semblé entendre, vu que je suis en mobile en plus, il m'a semblé entendre quelqu'un derrière, mais c'est beaucoup trop QRP là de mon côté, les 73 de la station. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et propose un QSY sur le 27-565, 27-565. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, le département 17. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département 17, le sud-ouest de France. La propague a tourné. Et bien on verra ça un peu plus tard sur la route. Station fréquence pour 14 km 3301 Dandy 33 opérateur Rémi qui lance appel pour le QSO du canal 32 du week-end. Allez, bip de partout, ça fonctionne bien, H3CO. Mais là c'est très très QRP là. Les 73 des stations de la part de 14 km 3301 Rémi actuellement sur l'autoroute A10 en Charente-Maritime. Station fréquence du QSO du canal 32 pour 14 km 3301 opérateur Rémi. Dandy 33 lance appel en mobile depuis l'autoroute A10 en Charente-Maritime. CQDX,
appels de 14 km, 33 01, et qui propose un QSY sur le 27 565. 2, 7, 5, 6, 5. C'est parti pour moi. CQO, CQO, CPNX, appel de 14 km, 33 01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile sur l'autoroute A10, sur le département 17, sud-ouest de France. Les 73, oh, la modulation me dit quelque chose, mais là, sur le coup, là, ça me revient pas, là. Attends, t'as repris trop vite. Du coup, j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps d'entendre. Michel. Pierre. Ah, Pierre Michel. Les 73, Pierre Michel. Désolé. Je suis en train de rouler. Ah si, j'ai eu un petit peu de mal sur le coup. Attends, je suis en train de faire le con. Attends, 2 secondes. Voilà, ok, ça y est, voilà, je suis là. Les 73, Pierre Michel. Eh bien, ça finit. C'est dit que je ne t'avais pas entendu. Ouais, mais bon, faut dire que... non, c'est plutôt moi qui n'est pas très souvent sur les sup. Puis en plus de ça, c'est vrai qu'au niveau du boulot, je suis beaucoup moins qu'avant du côté de Bordeaux et tout ça. Donc, et puis quand je vais bosser du côté de Bordeaux, eh bien, je suis plus du côté du 19, de ce côté-là. Et il n'y a que vraiment quand, comme tout à l'heure, la propague est sur les départements français et tout, que là, ok, je grimpe sur les sup. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt moi qui ne fais pas trop entendre du côté des sup. Hachis trois coups. Non, c'est pas là. Voilà, je viens de passer le panneau, je viens de rentrer sur la Gironde. Voilà, là je suis en train de retourner. On était dans la famille, là en Charente-Maritime. Et là, je suis sur le chemin du retour. Autrement, là, tu passes super bien, là, ici. Là, ça, c'est une bonne radio de 5. Il marche toujours aussi bien, ton matériel. Mon matériel, c'est toujours pareil. C'est ma Saturn. Le micro, c'est toujours pareil. C'est le Sadelta et mon Interpro. Et l'antenne, il y a l'antenne qui a chargé. C'est une Marco V8 et la télémédique, là. Une Mako, ah oui, elles ont une bonne réputation ces antennes. Je n'ai jamais vu de près, mais souvent entendu parler justement sur internet, et à ce qui paraît c'est du bon matériel les Mako justement. Et je vois que là tu confirmes, parce que là c'est vrai que là tu me passes bien. Hein. Un sacré morceau, hein. T'as des radios de 2,50 m, la vache. Waouh, ça doit se voir, hein. Ok, mais tu vas chercher, c'est la Marco, je crois que c'est la V8, enfin je crois, je suis sûr, c'est la V8, je sais pas si elle fonctionne après. VRI, Victor Romeo India, c'est ça? Je ferai une petite recherche dessus sur internet car je suis assez curieux. Et si ça trouve, j'ai peut-être même une fiche de présentation de cette antenne là sur mon forum. Là, faudra que je vois ça. Quoi. Que je vois un petit peu comment elle est celle-ci. Ah, elle est peut-être pas connue dans le coin, bon, mais un petit peu, les autres.
boutique. Alors, j'ai eu par un copain qui l'avait acheté et puis après il n'a pas voulu la monter. Tout simplement, voilà. Il a dit que ça va la monter dans quelques années. On regarde comment ça s'est passé. Mon fils voulait se monter là. Il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai dit, mais je vais changer et tu auras la mienne. Bon, c'était une Himalaya que j'avais qui était très, très bien aussi. D'accord, ouais, la Himalaya, j'en ai une aussi là, que j'utilise quand je vais au salon de Marraine. Elle est très rapide à monter et c'est surtout ça que j'ai vu. Alors c'est la Himalaya avec Radiant, donc la R5. Voilà, c'est celle-là que j'ai. Autrement cette Mako, oui, je fais le curieux là sur internet. Ouais. Mais je serais pas étonné, je crois que je regarde. Si je n'ai pas sur le forum, j'en ferai une fiche de présentation. Là, oui, c'est sûr. Oui. Si tu connais ça, parce qu'en plus de ça, en général, tout ce qui est matériel américain, ça coûte assez cher. Hein. Avec les taxes, les surtaxes, et, les frais de port, les frais de douane et tout le reste avec, c'est vrai que tout ce qui nous arrive des États-Unis, c'est généralement assez cher. Hein. Alors c'est sûr que là, c'est un beau cadeau qui t'a fait. Là. Ok, les 73, voilà, de 14 km, 33,01, Rémi. Alors, je suis sur l'autoroute à 10 et je suis à un petit kilomètre de l'aire de repos de Blaye. Non, 1,5 km. Alors, attends, j'ai un second panneau qui arrive là. Je suis à 1 km, n'importe quoi, à 1 km de l'herbe de Sochaux. Voilà, de Sochaux. Oui, voilà, donc je suis pas loin de l'aire de repos de Sochaux. L'alternative est libre, ce que je connais bien, mais tu vas pas tarder à passer entre nous deux, en fin de compte, FNS avec le Blaye, en fin de compte, tu vas passer entre nous deux, voilà. Et puis pour info, hein, mais je sais pas si tu m'as reconnu, ben, tu sais toujours sur les mêmes cordées, très rarement là-dessus, c'est qui dit au Mike, pour moi, 3320, l'opérateur William. Et pour information, Rémi, l'OM qui a passé l'antenne à Pierre-Michel, c'est Castor Forestier qui est sur ton site Facebook. Ok, comme quoi le monde est petit quoi. Ah chez toi vous, ouais, effectivement le monde est petit là. Alors là celle-là je n'ai pas vu venir. Je m'y attendais pas du tout, c'est super sympa ça. Ce matin, on est allé dans la famille en Charente-Maritime. Et avant ça, on a passé plusieurs jours dans le nord-ouest France, c'est-à-dire sur le département du Pas-de-Calais, dont on a le fiston qui habite là-haut. Alors, ok, Pierrot, il a bugué.
Facebook, il est aussi sur le forum. Ah, c'est bon ça. Ça fait voir que de toute façon, le groupe Facebook est une prolongation et une extension du forum. Donc c'est nickel, c'est tout bon ça. Alors, est-ce que toi tu es sur le que sur le groupe Facebook ou également sur le forum? Non, je suis sur aucune des deux, moi, pour le moment. Parce que tu vois, je Facebook, j'en ai pas encore, mais par tout ce qui est bidouille et tout ce qui s'ensuit, sauf erreur de ma part. Tu seras beaucoup plus à l'aise sur le forum. Ah oui, largement, parce que là-dessus, sur le forum, tu as tout un tas de rubriques, justement, bidouille, que ce soit bidouille accessoire, bidouille poste, bidouille antenne, avec pas mal de schémas, de construction d'OM, et tout, et tout, et tout. Plus, 10 tonnes de matériel de présenter et tout ce qui s'ensuit. C'est pas compliqué, il n'y a pas moins de 165 rubriques en tout sur le forum. Donc je pense que tu seras peut-être plus à ton aise de ce côté-là, une idée comme ça. Les trucs de détection de spammer ou des trucs comme ça. Et il suffit que tu aies une adresse email qui ressemble à ça. Et là, effectivement, c'est sûr que là, ça, l'inscription, tu n'arrives pas à la faire. Peut-être qu'en essayer avec une autre adresse email. Je sais pas. Tiens, tu as GMX, par exemple, gmx.fr. Je suis dessus là, et ça marche très bien justement là niveau adresse email là pour le forum. D'autant plus que là je suis d'autant plus sûr que là tous ces jours-ci, parce que bon, il arrive parfois que les OM ne reçoivent pas l'email ou n'ont pas vu l'email de validation qu'ils doivent faire. Donc de toute façon, moi systématiquement je passe derrière, je contrôle. Et si je vois des OM qui sont restés bloqués, je les valide de mon côté systématiquement. Voilà. Et justement, là, ces jours-ci, j'ai eu quelqu'un là, qui était avec une adresse email de chez GMX, gmx.fr. C'est un truc européen, je crois que c'est allemand. Et donc là, je suis sûr du coup que pour la validation, il n'y a aucun problème. Alors, essaye peut-être avec un autre navigateur.
Parce que bon, il m'est arrivé au niveau des OM sur Facebook de faire leur inscription. Alors je leur demandais un identifiant, je leur demandais une adresse email, et à chaque fois quand je faisais un enregistrement là pour eux, je me mettais sur un autre navigateur. Voilà, j'en ai bien trop quatre navigateurs sur le PC. Hein. Et étant sur Linux, forcément je m'amuse un petit peu là à ce niveau-là. Quoi. Et ce qui fait que leur enregistrement, je le faisais depuis un autre navigateur. Je crois que je le faisais depuis le truc de Google, Chrome, voilà. Oui, à chaque fois, je me mettais sur ce navigateur-là pour faire leur enregistrement. Et je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Alors, du côté Firefox, une ou deux fois, je me suis fait jeter comme ça en voulant faire l'inscription de quelqu'un. Donc, il y a peut-être ça aussi. Hein. Là, faut voir. Faut voir. Ok, pas de problème. De toute façon, j'aurai essayé, puis on verra bien. Quand je dis, on aura un autre moyen de se contacter ou passer via par un intermédiaire, et puis on verra ça. Ouais. On va laisser le bouton plier là-dessus. Alors, on est sur Père Michel. Allez, retour Père Michel. Alors, je suis en train d'arriver au péage, je QRX, je reste sur la fréquence, hein. Je QRX quelques instants, le temps de passer le péage, et je te reprends aussitôt après. Ok, ça marche. Voilà, de retour. Ça y est, je suis reparti, j'ai payé, c'est tout bon. Alors j'ai essayé de gruger, hein, j'ai essayé de lui mettre une carte de téléphone, mais il n'a pas été content. Non, j'ai plaisanté. Ah, voilà, je suis en train d'attraper la sortie 39 pour 39A pour attraper ensuite la direction de Libourne. Non, c'est mal, tu vas contourner, mais le bassin d'André et tout ça est remonté l'autre côté, en fait, le contourne. Oui, voilà, là je vais attraper la filée de rond-point, le McDo de Saint-André, paf, le tour, pour attraper après direction Libourne. La Dermatique, je connais très bien le quartier, bon, après, tu vas passer juste en haut de chez le frangin, voilà, mais lui il arrête tout, donc on va plus l'entendre sur les ondes, donc j'y commande, donc il a décidé tout arrêter. Ah, c'est dommage! C'est dommage, surtout en famille comme ça, c'est toujours intéressant, quoi. Bon, après il y a les collègues d'à côté, tout ça, on fait des petits cuissons locaux, tout ça. Après je fais beaucoup d'écho en ce moment, depuis 3 bons mois, je ne pas 3 titres. Mais là je vais m'y remettre, parce que je suis un peu à jour sur tout. Il y a des jardins à faire, on va dire, parce que tout se meurt. Et puis après voilà, donc l'hiver arrive, donc pour tout ça. Hein. On est bien tous pareils. Par contre, t'as dû remarquer là, puisque t'as fait pas mal d'écoutes, que cet été là, par rapport à l'année dernière, la propag, elle a pas été au top. Hein. Il y a eu des passages de propag, de très bons passages de propag même, et c'est pas comme l'année dernière. C'est bien, mais l'année dernière, si j'y étais aussi avec, mais moi j'ai pas trop à tête de mon côté. Tous les jours, enfin pas tous les jours, on va dire des journées où il y avait des pertes de creux, mais en partie j'allais entendre pas mal de divisions, moi de mon bord. Après, bon, fait, je suis quand même assez haut sur le lieu où je suis, bien dégagé tout ça, les antennes, les aériennes sont bien assez aussi avec, et pas trop à fait, j'ai réussi à faire des cuissons assez sympa, quoi, bon, très rarement, mais tard le soir, des fois, ça s'est arrivé, comme l'autre jour, il y a quelques temps, ça y a eu le Maroc qui passait, il y avait. Un article, on va tout passer la même soirée.
Oui, le continent africain, effectivement, j'ai entendu plusieurs fois, mais j'ai l'impression que ça a été moins souvent. Il y a beaucoup de grands blancs, quoi. Si je peux dire ici, là, cet été, il y a eu pas mal de grands blancs. Ouais. Et là, cette semaine, il y a eu un petit peu de propague. Bon, c'était assez moyen quand même. Là, ça repart un petit peu. Bon, on verra bien, quoi. Et oui, voilà, c'est exactement ça. Oui, de mon côté, j'ai exactement fait le même constat. Attends, si tu me vois bafouiller un petit peu comme ça, hésiter un petit peu, c'est qu'en même temps, je suis en train de faire autre chose. Je suis en train de regarder là où je vais, et comme je suis pas multitâche, ça coince par moment. Voilà, ok, c'est bon. Putain, mais j'ai des pneus qui crissent et tout, alors que je suis à 30 à l'heure. C'est vrai que... Et puis c'est pas parti bien loin. Il y a quelques petits brefs passages du Brésil, Amérique centrale, mais guère plus loin. Alors d'après ce que j'ai pu voir, du côté du nord de France, ils ont eu des passages du Canada. C'est resté plutôt du côté nord. Affirmative et Brésil, tout ça, mais encore ce matin de bonne heure, parce que moi j'ai allumé, il était 7h15, et vu les gages horaires, il y avait le Sud-Brésil qui balançait à terre. Après, des fois, je les ai mis l'après-midi, bien souvent, ça dépend, ou moins un peu comme maintenant, mais là c'est un peu calme sur le spectre, c'est calme. Et il y a un jour à la Bretagne, mais c'est pas du tout, c'est les Anglais, c'est comme ça que j'ai, le sud-est, nord-est, tout ça là, qui passe à plein gaz, on va dire, parce que je vois sur le spectre. Et après sur la 14, par contre, on n'entend pas grand monde, à part tout à l'heure, mais il y avait un gars de il était en mobile, bon, il envoyait quelqu'un, on va dire, on arrive à sortir, il était du côté de Narbonne. Mais après sur la 14, ça dépend, alors, c'est un pic, mais qui dure vraiment pas longtemps, les 2 heures, 3 quarts d'heure, 1 heure, voire, et après, aussitôt, ça se casse la gueule, quoi. Et comme le jour, la Martinique, c'était pareil, il a balancé à terre, putain, il faut du la dire, qui j'ai mis à gauche, j'ai balancé à terre. Et il n'y avait plus rien, comme plus rien du tout. Hein. Eh bien, le gars de Narbonne-Carcassonne, de ce côté-là, je me demande si c'est pas le même que j'ai eu aussi là tout à l'heure, qui me disait aussi entendre la Gironde. 14 km, 11, je ne sais plus comment c'est. Quelque chose comme ça. Non, ça te parle pas? Non, j'ai pris un cours de route parce qu'il discutait avec Dominique chez nous à Gironde, hein, qui est à côté de chez nous, voilà, pas loin. Mais il était là ici sur le 5 en français, qu'il était là justement. Et bon, j'ai écouté vite fait, puis après, au moment donné, ça s'est un petit peu cassé la figure. Et donc, bon, moi, j'étais faire autre chose, mais j'ai pas entendu son indicatif du tout. Mais bon, il est arrivé relativement bien, mon bien. Et bon, ben voilà, mais après, bon, j'ai pas suivi. Hein. Ouais, à tous les coups, c'est le même. Oui, c'était bien ici. Hein. C'était bien ici et à plusieurs reprises, j'ai dû couper quand j'ai traversé Saujon, tout ça, Cause, le gars, Saujon, ouais, Cause, dans ce sens-là plutôt, là, je l'ai complètement perdu. Hein. Et la propague, oui, effectivement, s'est cassé la gueule. Et quand j'ai pu le reprendre, et bien, c'était fini, c'était trop tard. Mais c'est vrai qu'il passait bien. Hein. Moi aussi, hein, il m'arrivait quand même relativement bien. Hein. Bien sûr, en roulant, ça faisait un petit peu des vagues par moment, ça, mais c'était quand même pas mal cuillé. Puis on m'a dit que moi-même sans faute à directive et tout, juste en verticale, là quand je suis actuellement, il m'a arrivé à 55, 56, bien du moins bon, 35, 36, le signal descendait pas la radio, se jette le yo-yo quoi. Mais ça faisait bien la veste quoi, c'était pas mal quoi, pour un mobile, voilà, c'était déjà bien.
ça a rien à voir quand tout est éteint. Voilà Rémi, c'est ça la bonne roulade à présent, c'est au plaisir, 33 km 80 William. Dis le Vendée, c'est les 40 km normaux. Ah ben bien sûr que je t'avais reconnu. Tu me parles de spectre. Avant de QRT, le spectre, tu le regardes où? Sur le poste ou sur Internet? Sur le poste. Sur Internet, n'importe quoi, le SDR. Ma question était, c'est sur le poste, sur le SDR. Ok, d'accord, ok. Non, mais tu aurais pu suivre, tu aurais pu avoir le poste d'un côté et un SDR de monter de l'autre. Voilà, c'était là ma question. Ok, les 73 à toi. Merci pour ce QSO super sympathique. Et en même temps, toi, on a pu avancer là sur, fin du mois, apporter aborder le souci là de t'inscrire au forum. Là, ça permet d'avancer un petit peu là-dessus, enfin avancer des idées là-dessus, sur parce que je vois pas pourquoi tout le monde arrive à s'inscrire et que toi tu n'y arrives pas. Ok, je te laisse. Voilà, je sors de Cadillac de Fonsac. Les 73 à toi. Merci pour le QSO. Bye, à plus. Merci à toi, bye bye. Non, ça parle pas français. Quel côté c'est? Attention, attention, primo, primo, sesto, secondo. Le département 47 qui passe derrière. La banlieue de Bordeaux. Voilà, Raymond, c'est pour ça que...
Break pour le sud-ouest France, département des Gironde. Break pour le département 33. Et 73 de 14 km, 33-01, le sud-ouest de France. Aïe, aïe. Ok, ok, 14 PAT, 11-11. Ça passe bien, très très fort, Radio 5 et 9. Merci Jean-Claude et à très bientôt. Alors, il y a beaucoup qui appellent les copains, je vais marquer les minutes du stand-by. Permettez-moi bien sûr de la compréhension. Je vais partir d'une dégustation et je reviens dans quelques minutes. 3 jours pour du radio, ça mérite un peu de relax dans la gorge. Merci. Je termine avec Kate, puisque elle a lancé appel. Kate, section 707. Ou la Kate, 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 Kate. Break pour 14 km, 33-01, le sud-ouest de France. Allez, dégustation de glace, les copains, 79-12. Je reviens d'ici 4-8 minutes. À tout à l'heure, merci pour ceux qui étaient à l'écoute. Je reste sur 720. Je reviens entre 4-8 minutes, priorité bien sûr, à se désintéresser. Et 73, mon gastro. Merci beaucoup. Merci, à plus tard. Ah, 4 minutes, pas plus, 4 minutes. Allez, j'y vais, à tout à l'heure. Prenez votre temps, ce sera de notre faute, sinon c'est vous avaler de travers. Ah, il faut couper le vox parce que si je coupe pas le vox, je vais tout terminer. Ok, allez, les 73 de 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33 sur le sud-ouest de France. Ok, merci. Comme quoi là, c'est passé comme du téléphone. Alors là, j'ai fait un petit test. Tout à l'heure, j'étais sur la caméra de la voiture. Donc une autre caméra, une Canon Coolpix, je ne sais plus quel numéro. Et là, je suis sur le... Ah bah zut, heureusement que j'ai mes lunettes sur le nez quoi.
Une Sony, ouais c'est ça, une Sony, c'est un appareil photo caméra hein, pour la précision. Donc c'est une Sony, je sais plus quoi. Donc les deux tests en bout à bout comme ça, on va pouvoir voir la différence au niveau au niveau vidéo. Alors pour quand ça bouge ceci cela, la Canon est mieux. La Sony a du mal à gommer les vibrations, ou quand elle les gomme, c'est pour faire des vagues. Bon, ok. Alors, je sais pas quelle heure il est chez lui, mais nous, il est 20h. Voilà, très précisément 20h. Il y a une Y qui est derrière. Aïe, aïe.